sur le point de commencer, Samy, quand il est revenu d'un autre programme, et je l'ai intercepté, venez dire le mot de bienvenue pour qu'on puisse commencer. Bonjour, merci et désolé pour vous faire attendre un peu pour moi. Il y a toujours trop à faire, mais je pense que c'est normal pour la vie ici à Abidjan. Bienvenue ici à le Centre américain, à l'ambassade. C'est un grand plaisir de vous accueillir et de voir un si grand nombre de personnes pour discuter notre livre du mois qui, ce mois, c'est Story Brand. Scénarisez votre marque et faites-vous entendre. Je pense que l'idée d'une marque est importante, même une marque personnelle, même une marque d'une grande entreprise. Dans le monde actuel maintenant, je pense que de plus en plus, nous avons tous besoin de créer notre marque propre. Oui, pour un peu acheter nous-mêmes, oui, peut-être, c'est ça. Merci, Monsieur Bancolé et Madame Mélège. Oui. C'est un plaisir. Et maintenant, je laisse la parole à vous pour une bonne discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens n'achètent pas le meilleur produit, mais ce qu'ils comprennent le plus rapidement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au livre du mois de septembre. Le titre, Story Brand. Scénarisez votre marque et faites-vous entendre. Pour en parler, nous avons aujourd'hui, à la différence des autres panels que nous avons à l'accoutumée dans cette salle, un seul panéliste, M. Bancolé Martial Auguste, expert consultant, formateur et coach en management, marketing, sécurité incendie et électronique. Il est président du groupement des consultants et experts en sécurité électronique de Côte d'Ivoire. L'homme est également le responsable du département marketing, commercial, recrutement et formation du groupe Noble Conseil. Noblesse Conseil, spécialisé dans l'assistance comptable, fiscale, juridique et organisationnelle. Professeur de marketing à l'Université française d'Abidjan, université partenaire de l'École supérieure de gestion de Paris. Monsieur Bancolé enseigne également le marketing au groupe Subelite Business School à Abidjan et il totalise 25 ans d'expérience de pratique de marketing et en management. Je vous prierai donc de saluer notre panéliste du jour qui tout à l'heure prendra la parole pour vous expliquer l'œuvre dans une présentation. Quant à moi, je ne saurais passer à une autre étape sans dire que à l'actif de ma présentation faite, je voudrais ajouter que j'ai le privilège d'être la présidente de l'organisation de l'association Lead for Her, qui est l'association qui regroupe toutes les diplômées de l'ambassade des États-Unis de Côte d'Ivoire. Cela n'est pas marqué dans la présentation. Il faut que je le corrige avant que les femmes ne s'en plaignent. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bancolé, bonsoir. Votre challenge ce soir, c'est de nous faire comprendre cette story brand, scénariser votre marque et faites-vous entendre. Vous avez 30 minutes de présentation. La parole est à vous. Merci. Un micro qui est là. Ah, d'accord. Il va descendre. J'ai plus besoin de me présenter. Ça a été tellement bien fait que je ne pourrais rien ajouter. Ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, en Afrique, on demande des nouvelles. Donc je ne saurais déroger à la règle. Voilà. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, soyez les bienvenus à
cette formation. Moi, je précise que c'est une formation. Et d'entrée de jeu, je vais briser certains tabous. Parce que je suis marketeur de formation. Formé à l'école anglo-saxonne. Voilà. J'ai une formation MBA de l'Université de Québec à Montréal. Et donc, me mettre, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la formation. Au Canada, on ne vous voit pas. On tutoie. Donc, du coup, nous allons casser le mur de glace francophone. Donc, il n'y aura pas de tabou. Parce que moi, mon objectif, et je pense que c'est l'objectif de tout le monde, c'est qu'au sorti de cette formation, vous devez être à même de vous approprier le thème. Et ce thème, il est tellement intéressant et passionnant parce que ce thème nous envoie loin. Quel que soit le produit que vous avez, quelle que soit la marque que vous avez, s'ils ne sont pas connus, vous n'avez rien fait. Et pour faire connaître vos activités, votre marque, vos produits, vos services, c'est par la communication. Donc la communication est pratiquement le sang. Si je veux faire la métaphore. Donc c'est le cœur de votre activité, de votre business. Ceci étant, je vais vous présenter le sommet, les objectifs spécifiques, et un résumé très succinct. Avant que nous entrons même dans le timing, le déroulé. Parce que pour moi, il est important que vous compreniez effectivement la quintessence de ce concept. En marketing, on parle des insights. Le concept, il est très important. Alors, nous allons commencer par le sommet. Et le sommet, vous avez l'introduction. Et le sommet est divisé en trois parties. Il y a une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. Et la première partie concerne pourquoi le marketing est souvent un groupe financier. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous avez les différents chapitres qui s'affiche au tableau. Et chaque chapitre a son importance. Et vous allez comprendre pourquoi. Et la deuxième partie, élaborer votre scénario. Votre scénario avec 4 chapitres. Et le chapitre 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous avez le chapitre 11. Et la troisième partie, on va sortir. Nous allons sortir de la théorie pour entrer dans la pratique. Cas pratique. Parce que tout ce que nous faisons, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement s'approprier le concept et mettre au bénéfice de notre business. Est-ce que c'est clair? Et vous aurez la feuille de route qui est intéressante, qui va effectivement être votre feuille de route au sorti de cette formation. Et je vous encourage à mettre en pratique. Et si le temps nous permet, nous allons faire une simulation. Et vous allez voir que c'est intéressant. Bon. Nous allons parler dans ce chapitre
les insights du marketing, ce sont des concepts. Parce que j'estimais que on ne peut pas parler de marque pour le profane. Ce n'est pas évident. Pour le marketeur, si. Alors, la marque, comme la définition nous le dit au tableau, une marque est un nom, un terme, un signe, un symbole ou un dessin ou toute combinaison de ceci qui vise à faire reconnaître les biens et les services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et de les différencier de ceux des concurrents. C'est pourquoi nous parlons de marque déposée. Parce que si vous ne déposez pas votre marque à l'OAPI pour nous, cette marque-là, ce n'est pas votre propriété. Donc c'est très important. Je le dis, c'est d'autant plus important que aujourd'hui, nous sommes au marketing 3.0. Et ce concept, il est intéressant parce que il devance le marketing 3.0. C'est un concept marketing 4.0 que le livre nous présente. Donc, qui parle du marketing 4.0 parle de votre marketing comme acquis en termes d'expérience. Est-ce que c'est clair? Communication. La définition de la communication est importante parce qu'il y a trois éléments qui forment le pilier de la communication. Quand nous parlons de communication, il faut un émetteur, un récepteur et un canal ou bien des canaux. Les canaux permettent de transmettre le message de l'émetteur au récepteur. Et les canaux sont très importants, ce sens que si le canal est biaisé, évidemment, la communication va prendre un coup. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il est important d'avoir un canal qui vous permet effectivement de faire passer le message. Maintenant, les objectifs spécifiques. Au sorti, de ce séminaire, vous devez effectivement maîtriser les 7 composantes narratives universelles auxquelles tout être humain est sensible. Ensuite, la vraie raison qui pousse les clients à acheter chez vous et non chez le voisin. Comment clarifier le message de votre marque? D'où l'importance de la communication. Pour qu'il soit compris de tous le message. Est-ce que c'est clair? La communication, ce n'est pas de la cacophonie. Comment communiquer de la manière la plus efficace à travers les réseaux sociaux, plus précisément au niveau de votre site web, les catalogues, les brochures et aussi les masses médias traditionnels, que sont la radio, la télé, les journaux, les magazines, etc. etc. Aujourd'hui, avec le marketing 4.0, c'est une combinaison de tous ces éléments que je viens de citer. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la communication à 360 degrés. Parce qu'on prend pratiquement du marketing 1.0 jusqu'au marketing 4.0. J'aurai l'occasion de vous expliquer. Après les objectifs, nous allons poser la problématique. C'est essentiel. La problématique du positionnement et de la rentabilité de l'entreprise se décline comme suit. Trois éléments. Comment faire connaître son, ses produits et ses prestations? Je dirais même les marques. Parce qu'aujourd'hui, c'est la marque que nous vendons.
ce ne sont pas les produits. La preuve, Abidjan, on dit, c'est la chinoiserie. Quand le produit prête à confusion, en guillemets. D'accord? Donc c'est la marque que vous positionnez. D'accord? Et puis ensuite, comment mettre en exergue les valeurs qu'incarne l'entreprise? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre si vous n'êtes pas référencé. C'est clair. Vous ne pouvez pas vendre un produit si vous n'êtes pas référencé. On demande ce produit vient d'où? Apple, UAE, Orange, Samsung. Donc, c'est une histoire de position. Nous parlons de top of mind. C'est clair? Comment communiquer pour atteindre sa cible? Donc, ce sont ces trois problématiques que nous allons résoudre à travers le déroulé de notre formation. C'est bon jusqu'ici, c'est bon? Moyens support de véhiculation de la communication. Nous allons prendre comme support la création d'un scénario qui a pour auteur principal le client, la marque comme plateforme et l'entreprise comme vecteur. Ceci étant, nous allons décoller, entrer dans l'univers du marketing, plus précisément le mix marketing qui sont les 4 P, mais le P qui nous intéresse, c'est le P de la communication. C'est clair? Voilà. Alors, cette œuvre vous permettra de connaître le secret de toute entreprise florissante. C'est le client et non votre marque qui doit être le héros de votre réussite. Autrement dit, du récit que nous aurons l'occasion effectivement d'en parler. Cessez de gaspiller votre argent en campagne marketing inutile et accroître son chiffre d'affaires en clarifiant votre message. Donc le message devient l'épine dorsale. Marketing. Quel que soit le produit, la beauté du produit, quelle que soit la qualité du produit, s'il n'est pas connu, il n'est pas vendable. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important. Alors, nous allons faire un résumé du livre qui nous concerne, Story Bad, l'histoire de la marque. Le secret de la réussite en 7 épisodes, ça c'est la trame du livre. Et l'auteur a utilisé ce concept pour faire passer un message. C'est le message de la communication. Et c'est d'autant intéressant parce que il a fait un rapprochement avec l'univers du cinéma, l'univers du film. Et je pense que tout le monde est passionné par les films brésiliens, par les films... Oui, c'est pas évident. Bon, autant pour moi alors. Pas toutes les femmes. Bon, parce qu'à 19h, elles sont toutes... Je ferme la parenthèse. D'accord. Allons-y. Donc, je disais le secret de la réussite en 7 épisodes. Je tiens à ce que vous maîtrisez les 7 épisodes et puis les 5 étapes pour maîtriser le concept qui est la SB7. D'accord. Principe numéro 1. Le héros de l'histoire est le client et non votre marque.
Donc le client est le point central. Et c'est d'autant plus important. En marketing, il est dit, le client est au début et à la fin de notre business. Il a droit de vie ou de mort sur votre entreprise. Donc, il est juge de partie. C'est pourquoi en marketing, vous connaissez les caniches. Les caniches. Nous sommes obligés de pouponner le client. De faire pratiquement la cour au client. Parce qu'on a besoin du chiffre. Et le chiffre d'affaires, c'est lui qui détient. C'est clair. Tout le positionnement. Donc, le héros de l'histoire, c'est le client. Nous allons le mettre à la place qu'il faut dans le déroulé de notre concept. Ensuite, le deuxième concept, le deuxième principe, les entreprises ont tendance à vendre des solutions correspondant à des problèmes externes, alors qu'ils doivent vendre des produits qui concernent les problèmes internes. Et les problèmes internes concernent le client, le prospect, le consommateur final. Aujourd'hui, on ne parle plus des clients, parce qu'on est dans le marketing 3.0, on parle du consommateur final. Habituez-vous à ce concept. Ensuite, condition pour appliquer votre scénario brand scribe. Optimiser votre site web. Transformer la culture d'une grande entreprise. La culture, c'est la famille. On s'identifie que vous êtes. Votre plan marketing monté, vous devez mettre inscrit en lettres d'or la feuille de route. Story plan. Alors, avant de terminer, je vais insister sur cet aspect. Les 5 démarches pour appliquer la trame SB7 et développer votre entreprise. Premièrement, créez la logline de votre entreprise. C'est un mot simple. C'est simplement vous dire, vous devez connaître la mission de votre entreprise. La raison d'être de votre entreprise. Pourquoi vous avez créé votre business? C'est la carte d'identité de l'entreprise. Si vous n'arrivez pas à résumer en un, deux mots, votre business, ce n'est pas la peine. Parce que le premier client de l'entreprise, c'est vous. Qui convaincu, convainc les autres. Est-ce qu'on est clair? Voilà. Ensuite, créer un générateur de leads. Parce que nous sommes dans le marketing digital. Qu'on appelle aussi le MM, le marketing mobile. Parce que vous pouvez être chez vous aujourd'hui, faire du business, sans vous déplacer. Le marché est confondu pratiquement aux produits. C'est clair. On n'a plus besoin d'aller dans un magasin, dans une entreprise pour faire des achats. Je peux faire mon business en ligne. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous départir de cela. Vous devez maîtriser les réseaux sociaux. Si vous ne maîtrisez pas, faites appel à un e-community manager qui va vous aider. Ensuite, créez une campagne d'emailing automatisée. Les clients aiment, c'est ce que nous appelons le B2B, le B2A. Et aujourd'hui, le concept est d'actualité. Nous parlons de la loi de Pareto. 80% de mon chiffre d'affaires est fait par 20% de mes clients. Je n'ai plus besoin d'avoir 1000 clients
pour avoir le même chiffre d'affaires pour 100 clients. C'est la qualité du client qui vous intéresse. Ce n'est pas le nombre. D'accord? Donc, vous devez maîtriser le emailing. Personnaliser les clients. Le client adore quand il y a une interaction entre vous et lui. D'accord? Ensuite, collecter et transmettre des témoignages positifs. C'est l'interaction. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux ou bien sur le site web, lorsque vous faites la promotion de votre produit, vous attendez un retour. Ce retour, c'est l'interaction. Et donc, vous prenez le pouls du client. En communication, nous parlons du push et du pull. D'accord? Ensuite, les témoignages de ceux-ci, c'est important. Ça vous permet effectivement de voir votre positionnement. En marketing, quand nous parlons de positionnement, c'est l'image que reflète votre entreprise ou votre produit vis-à-vis du client et vis-à-vis des concurrents. C'est clair? On pourra revenir dessus. Et enfin, obtenir des recommandations. Parce que nous sommes dans le marketing relationnel. La prospection revient chère. Le démarchage, les démarchages reviennent chers. Donc la technique aujourd'hui, nous avons plusieurs stratégies. Je peux citer pêle-mêle le marketing viral, le bouche à oreille, le marketing relationnel et le marketing réseau. Etc. Je pouvais dire que la formation est achevée. Parce que c'est l'essentiel. Maintenant, nous allons rentrer dans les détails avec vos questions pour que vous puissiez mieux comprendre le process. Parce que c'est ça. Nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. La formation, c'est pour vous. Je veux qu'au sorti de cette formation, même celui qui n'a jamais fait le marketing puisse approprier le concept de la communication, plus précisément du story brand. Je vous remercie. Merci beaucoup à notre cher panéliste. Je rappelle que nous sommes ici au centre américain de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à notre habituel livre du mois, conférence débat. La thématique du jour se situe autour de cette belle œuvre. Story Brand, scénarisez votre marque et faites-vous entendre. Et nous avons eu, je crois, par des formations, l'homme est habitué à faire des formations, à donner des cours. Donc on a eu droit au terme formation. Mais effectivement, on vous l'accorde et merci pour toutes ces données. Je pense qu'on va continuer, on va mieux développer dans la série de questions. D'accord. Et on va le faire maintenant. Comme à l'accoutumée, on aura 5 questions par rangée, des contributions, tout en rappelant les règles de notre partage. C'est vraiment la concision, la précision dans les propos. Et n'oublions pas que notre micro est réglé pour s'éteindre après 1 minute. Pour que nous soyons concis dans nos propos. Alors, nous allons démarrer par la rangée de gauche, les questions. Avons-nous des questions? Je pense qu'on devrait y avoir, il y a tellement de choses à développer. Même si vous n'avez pas d'entreprise, vous êtes vous-même une marque. Donc, voilà, merci. Veuillez vous lever. On va faire passer le micro, peut-être quelqu'un pourrait m'aider. S'il vous plaît. Merci, Pic. Il est dans le fond. Merci au conférencier. Je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas eu le temps de connaître son nom. Monsieur Bankole. Monsieur Bankole. D'accord. Merci, Monsieur Bankole. Je suis Gérard Anangwa.
Je voudrais poser une question. Le conférencier a parlé de maîtriser le emailing personnalisé. Alors, s'il peut nous donner quelques petites astuces sur comment faire le emailing personnalisé, ce serait vraiment bien. Merci. Merci beaucoup. Seconde question. Avant une autre question, oui. Merci bien, monsieur le conférencier. Pouvez-vous vous lever à cause de la caméra? Je m'appelle Adja. Je voudrais lui rappeler qu'actuellement, il y a une autre forme pour l'entreprise d'aller vers la clientèle. Excusez-moi, c'est une contribution, une question. C'est une question que je vais formuler. Mais il faut que j'explique ma question, s'il ne comprend pas. Non, nous ne sommes pas encore arrivés là. C'était juste pour que vous puissiez reformuler votre attaque. Quand vous dites d'accord, mais laissez-moi construire ma marque. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Pour construire la marque, il faut que le message soit clair. Et je l'ai dit à l'entame. Permettez, je vous explique ce que je veux dire. Quand vous dites, je voudrais rappeler aux conférenciers, je m'interroge. Est-ce une contribution ou une question? Si c'est une question, vous y allez directement. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je voudrais dire, monsieur le conférencier, qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'entreprise où il est demandé à l'entrepreneur d'aller vers la clientèle, chercher à obtenir leur point de vue dans la fabrication des produits. Qu'est-ce qu'ils pensent? Merci. Avons-nous une autre question? Contribution? Vous avez une question? Ok, allons-y. Bonsoir à tous. Merci, chère compréhension. J'aimerais savoir, générateur de lead. Excusez-moi, vous pouvez monter la voix. On vous entend difficilement. Je suis V. Votre nom, s'il vous plaît? V. Monsieur V. Oui. Voilà, je voudrais savoir, générateur de lead, c'est quoi concrètement? D'accord, merci beaucoup. Comment créer un générateur de lead? Voilà. Nous avons une question, la dame, voilà. Bon, je pose la question, même si j'ai déjà le micro. Bonsoir à tous, merci beaucoup. En fait, le panéliste a parlé de... Votre nom, s'il vous plaît. Ranzi Kadja, épouse Billy. Vous avez parlé de marketing 3.0. C'est peut-être pour avoir plus d'avantages. L'information, merci. Merci beaucoup. Marketing 3.0, des détails. Hein. Je suis mademoiselle Bomaï Edwige. En fait, le conférencier tout à l'heure, il a dit d'arrêter de gaspiller notre argent dans les campagnes publicitaires. En fait, je voudrais comprendre, est-ce que les campagnes publicitaires ne sont pas des formes pour mieux présenter le produit? Pourquoi est-ce qu'il dit d'arrêter de gaspiller de l'argent sur les campagnes publicitaires? Merci. D'accord, nous avons 5 questions. On va commencer, monsieur, voilà, prenez un micro, par celle de M. Amangwa Gérard. Il aimerait que vous puissiez expliquer le concept d'email, comment maîtriser le email personnalisé. Vous me corrigez si je m'égare de votre pensée. Maîtriser le email personnalisé, il aimerait avoir des détails. Merci. Le emailing, c'est un concept d'actualité qui concerne aujourd'hui l'environnement des affaires. Au niveau de l'environnement des affaires, nous parlons du market space. C'est ce que le commun des mortels, je vais expliquer simplement. C'est ce que, quand vous voyez les pubs, on parle du B2B, du B2One, du B2J, etc., etc. Il y a jusqu'à 7. C'est simple. Ça veut dire le B2B, c'est lorsque
une entreprise traite avec une autre entreprise. Le B2B, c'est lorsque une entreprise traite avec un entrepreneur, un individu, un opérateur économique. Le B2G, c'est lorsque l'entreprise traite au niveau des marchés publics, qu'on appelle le marché public, avec l'État. D'accord? Quand nous parlons de e-mailing, entre guillemets, personnalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir un grand nombre de clients. C'est la qualité du client qui nous intéresse. 10 clients peuvent faire votre chiffre d'affaires. Un exemple, vous avez 10 clients qui peuvent vous faire un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Au lieu d'avoir 10 clients, 1000 clients qui vont faire un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Parce qu'en termes de charges et des retombées financières, de marge, vous êtes perdant. Parce que vous faites plus d'efforts pour engranger moins de bénéfices. Parce que le chiffre d'affaires, ce n'est pas votre bénéfice. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vous revient, c'est ça le bénéfice. Donc, vous allez engranger moins d'argent lorsque vous avez 1000 clients, parce que c'est 1000 démarchages, 1000 prospections. Donc, le e-mailing, c'est un instrument, c'est un moyen de pouvoir atteindre vos clients, mais les délayer. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire trier les clients en termes de qualité. Donc, au départ, vous avez des suspects. Suspects, ça veut dire qu'on prend toutes sortes de clients. D'accord? Et dans le délayage, vous allez arriver au prospect. De suspect, on passe au prospect. De prospect, on passe maintenant au client. Le client n'est pas encore finalisé. Le dernier client, on parle du client final, le consommateur final. Et en ce moment, ceux-là, le consommateur final, entre dans votre base de données. Il y a des logiciels pour traiter. Il y a le CRM, qui est un logiciel de base de données qui vous permet effectivement de faire ce process-là, ce délayage. Et donc, fort de cela, vous allez arriver à un segment de clientèle, un groupe de clientèle qui intéresse votre business. C'est pourquoi je parle de segment. Parce qu'au départ, on était au suspect. Suspect, c'est toutes sortes de clients. Maintenant, dans votre délayage, vous allez arriver à un segment de clients. Et ce segment de clients-là vous intéresse à plus d'un titre parce que vous devez mettre ce segment de clients dans votre base de données. Alors, il faut que vous ayez certains éléments. C'est quoi? Son adresse email, son numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle activité il fait? C'est très important. Et donc, vous allez échanger avec lui à travers le mail. Donc, lorsque vous allez mettre en place votre plan marketing plus précisément au niveau de votre produit ou bien une gamme de produits, en ce moment, vous allez échanger avec ces derniers pour dire, j'ai un nouveau produit. Ça pourra t'intéresser. Et le client adore quand il reçoit à titre personnel dans sa boîte. Parce que vous avez de la considération pour lui. Et le client adore.
C'est clair? J'ai répondu à votre question. Donc, alors, le emailing, c'est dire quoi? Vous allez prendre pour ces clients potentiels leur adresse mail. Et puis, vous allez les envoyer personnellement vos propositions, vos offres. D'accord? C'est bon? Oui? En fait, je me disais que le email personnalisé serait un système à partir duquel je fais un seul mail, mais que chacun reçoit de façon personnelle. Et donc, est-ce qu'il existe un système pour arriver à ça? Est-ce qu'il existe une plateforme pour arriver à ça? Si. Il y a des logiciels. À défaut des logiciels, qu'est-ce que vous faites? Vous-même, vous identifiez les clients. Vous pouvez mettre des primes à bord au niveau de l'onglet, le nom de 2 ou 3, et puis le CC, copie. Copie conforme, vous pouvez. D'accord? Donc le même message est dispatché aux différents clients. Et ils vous répondent aussi. C'est ça qui est intéressant. Et en ce moment, pour finaliser, vous prenez rendez-vous. Donc vous n'avez plus besoin de faire de la prospection. Le marketing direct porte à porte. Par le mailing, vous recevez les réponses. Et en ce moment, ceux qui sont intéressés, ils vont vous répondre. Vous prenez rendez-vous. Donc, gain de temps et gain d'argent. Merci. D'accord. La deuxième question. La nouvelle forme d'entreprise. Alors, monsieur Adjé, j'aimerais savoir, avoir votre point de vue sur cette nouvelle forme d'entreprise où l'on va vers les clients pour obtenir leur point de vue pendant ou avant la confection du produit, des produits. En fait, ce n'est pas une nouvelle forme de marketing. C'est une étude du marché. Et l'étude du marché vous permet effectivement d'apprécier votre segment de clientèle, votre cible. Et voir le produit que vous avez lancé. Est-ce que ce produit est attractif? Il y a un intérêt. N'oubliez pas que lorsque nous créons une entreprise, c'est sous forme de promesse. L'entreprise, c'est une promesse faite au client potentiel. Parce qu'il y a un segment, il y a un besoin que nous voulons réaliser. Donc, vous devez faire une étude de marché. Au sortir de cette étude de marché, ça vous permettra de voir vos clients cibles, votre segment de marché et même ensuite votre positionnement et vos concurrents immédiats. Et à quel niveau vous êtes, si vous êtes challenger, leader ou suiveur ou créneau. Je ne sais pas si j'ai. Bon, la troisième question. Alors, on va revenir sur le challenger, suiveur, leader ou créneau. C'est une classification. Exactement, c'est une classification. Soit vous êtes challenger, soit vous êtes. Bon, suiveur. On commence par le leader. Voilà. Dans la téléphonie cellulaire, qui est leader? Orange. Et qui est challenger? MTN. Qui est suiveur? Move. Maintenant, créneau, c'est des spécialités. Il y en a qui disent. Dans cette bataille, moi, je ne rentre pas. Donc, je me spécialise dans un domaine bien précis. En ce moment-là, je suis créneau ou niche. Ce sont des termes empruntés, comme on appelle, à l'environnement militaire. Parce que quand vous allez au combat, quand vous regardez le leader, il n'y a pas mal. Donc, vous négociez. C'est la même chose dans l'entreprise. D'accord. Monsieur Vey aimerait avoir de plus amples informations sur le groupe de mots générateur de lead. Je pense que cette problématique est d'actualité. Et c'est ce concept que traite notre livre du mois. Et je vous conseille de maîtriser effectivement cela. Toutes les entreprises aujourd'hui qui sont leaders
se positionne au niveau réseaux sociaux. Il faut avoir un site web. Donc, un marché virtuel. Le marché virtuel, c'est vous entrez dans le site, vous checkez, vous regardez tous les différents produits ou services qu'ils vendent. Et si vous êtes intéressé par un produit quelconque, en ce moment, vous le récupérez, vous le mettez dans le panier et vous avez la possibilité de faire l'achat par votre monnaie électronique. PayPal, Mastercard, etc. etc. Et donc, une entreprise jeune comme âgée, pour aujourd'hui vendre, ne peut pas ignorer le digital. Rien à faire. Sinon, vous serez en reste. L'histoire nous le montre. Ceux qui ont lu le livre, à bord, etc., c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir un site web. À défaut du site web, vous allez sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Doc Finance, WhatsApp, etc., etc. Je prends cas Facebook. Vous êtes jeune entrepreneur, une PME, une TPE, ça veut dire très petite entreprise, ou une grande entreprise. Vous ouvrez une fenêtre sur Facebook. Facebook, c'est un réseau communautaire. Alors, quand vous ouvrez une fenêtre, vous parlez de votre produit, vous faites la présentation de vos produits. Pour que vous puissiez avoir de la clientèle, vous devez chercher à avoir de l'audience. L'audience, ça veut dire vous lancez le produit. Tous ceux qui sont amis à vous, ou bien amis à vos amis, deviennent vos amis. D'accord? Plus vous avez de l'audience, plus vous êtes vu. Et en ce moment, lorsque vous lancez le produit, vous avez deux possibilités. Vous lancez ou bien vous boostez le produit. Facebook, du coup, viendra vous faire la cour pour dire on va booster votre produit, c'est $1 par jour. Vous choisissez le nombre de jours, vous payez à monnaie électronique. En ce moment-là, il positionne l'article. Mais cet article-là, ou ce produit que vous allez vendre, vous devez confectionner, faire la promo. C'est en ce moment-là que vous avez besoin du SB7. Avec la permission de madame, je vais expliquer un peu le niveau du SB7. Premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Faire concevoir une communication. Et dans cette communication, vous avez 5 éléments que vous devez prendre en compte. Je vais vous donner l'exemple de ce qui nous concerne. Je vais faire un cas pratique concernant ce séminaire. Si nous voulons booster ce séminaire et le présenter sur Facebook, nous allons prendre les 5 éléments dont l'auteur a parlé, le problème, le plan, le résultat positif. Je reprends le personnage, le problème, le plan, le résultat positif et recommandation. C'est de ça l'auteur parle. Le personnage, c'est qui? C'est le client. Le client est le héros de notre film. Il faut le mettre où il faut. Alors, nous allons poser le problème. Que veut le client? Le client a un problème. Autrement dit, nous parlons des besoins. Si on veut rentrer dans le domaine business marketing, ce sont les besoins.
Les besoins sont à l'état latent, ou physiologie, ou primaire. Moi, en tant qu'entreprise, je dois satisfaire les besoins du client. D'accord? Par le désir. Le désir, c'est mon produit. Parce que quand j'ai faim, je peux manger une pomme ou manger du riz. Ça dépendra de celui qui est, celui ou celle qui est en face de moi, qui me dit le riz est mieux que la pomme. En ce moment, je parle d'entreprise. Vous avez deux entreprises. Une qui vend de la pomme, une qui vend du riz. Qui va effectivement me convaincre que le riz est mieux pour ma santé que la pomme. Avec les arguments. Et en ce moment-là, moi, en tant que client, je suis le héros du film. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est la satisfaction du ou des besoins de la clientèle à travers mon produit qui est le désir. D'accord? Ça, c'est le problème. Ensuite, le plan. Comment, quelle démarche, quelle stratégie je vais mettre en place pour arriver effectivement à satisfaire mon client? On se comprend? Et fort de cela, l'attente du client, c'est satisfaire ses besoins. En ce moment, on parle de résultats positifs. J'aurai atteint mes objectifs commerciaux. Le client est content. Moi, je suis content parce que j'ai pris son argent. Lui, il a pris mon produit. C'est clair? Voilà. Je sais pas. Et puis, les recommandations, c'est fidéliser le client. Le fidéliser en ce sens qu'il viendra toujours prendre chez moi parce qu'il est satisfait. Voilà. On avance à la quatrième question, celle de Mme Kadja, épouse Bilé. Elle voudrait avoir plus d'informations sur le marketing, le marketing 3.0. Voilà. Bon, avant de finir, je vais terminer concernant le générateur lead. C'est vous, pratiquement, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des réseaux sociaux? Lorsque vous boostez, vous avez de l'audience. Mais cette audience-là, vous la traduisez en thème concret, ça veut dire client. En ce moment, il y a une interaction. Il dit, mais votre produit m'intéresse. Comment je peux me l'approprier? Vous prenez rendez-vous avec lui. Donc, le lead, c'est le conducteur qui vous permet d'avoir de l'audience et transformer cette audience-là en client potentiel et transformer le client potentiel en client final. Et transformer ce client final en marketing relationnel qui, lui, fera la publicité pour envoyer d'autres clients chez vous parce qu'il est satisfait. D'accord. Bon, ceci étant. Bon, au niveau du marketing, le marketing est évolutif. Il y a une mutation. Heureusement que cette mutation est positive. Nous avons le marketing est né en Europe. Ça, c'est le marketing traditionnel. Suite à la guerre, à la première guerre. Et après la première guerre, il y a eu la deuxième guerre mondiale. En ce moment, il y a eu l'immigration des Européens aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Far West, l'Eldorado. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les Américains, sachant que s'ils ne font rien, ils seront envahis. D'où le plan Marshall, la naissance du marketing moderne. Alors, ils vont injecter de l'argent pour que les Européens restent là-bas et puis faire du business avec eux. Alors, suite à la crise de 29, il y aura pénurie au niveau production. Et qu'est-ce qui va se passer?
le marketing va prendre l'essence, le marketing moderne. Nous allons parler du marketing 1.0, qui est la primauté du produit sur le client. Le produit se faisant rare, la demande est forte. C'est la loi du marché. D'où le marketing 1.0. Et fort de cela, tout le business, les entreprises vont mettre en place des stratégies. Et comme le produit, quand le produit est rare, il est cher. Et donc, dans l'évolution, les penseurs, les maîtres du marketing vont... La tendance sera inversée. On va passer du marketing 1.0 au marketing 2.0. La primauté de quoi? Du client sur le produit. Je ne sais pas si on sait. Ça va? Voilà. Et on va, après, de façon tendancielle, nous allons arriver aujourd'hui au marketing qui nous concerne, que nous appliquons 80% des entreprises ivoiriennes appliquent, c'est le marketing 3.0 que nous appelons le marketing digital ou le marketing, le MM, le marketing mobile, le marketing réseau. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre si vous n'avez pas de site web. Vous ne pouvez pas vendre si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Donc vous devez utiliser la stratégie du digital. Tout le monde est au digital. Aux États-Unis, ils ont dépassé. Aujourd'hui, ils sont dans le marketing 4.0, qui est le marketing à visage humain. Qu'on appelle le... Lorsque vous vendez un produit, votre responsabilité est engager le RSE, responsabilité sociétale environnementale. Donc aujourd'hui, quand vous fabriquez un produit ou bien vous faites de la prestation, tant que l'entreprise vit et il y a des consommateurs qui utilisent, si dans 10 ans, 50 ans, il y a un impact au niveau de la santé du consommateur, ou bien de l'environnement, les faunes, ou de la nature, vous êtes poursuivi et vous devez dédommager. C'est le marketing à visage humain, à responsabilité sociétale et environnementale. Vous avez vu tous les procès qui se passent aujourd'hui. Donc, méfiez-vous. Si vous fabriquez des produits, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, on arrive effectivement à faire la traçabilité grâce au code à barre. Quand vous achetez publicité aucune, où est la bouteille? Non, non, publicité, à cause de la télévision, éviter bon. La publicité, voilà. Oui, oui. Mais on voit, non, on ne peut pas l'utiliser. C'est pour montrer le code à barre. À moins qu'on enlève le... Vous enlevez... Ce sont les marques. Vous allez voir, il y a des barres. Et au niveau de ces barres... Voilà. Où est le livre? Voilà. Même le livre, il y a le code barre. Voilà. Voilà le code. Le code à barre. Chaque barre a une signification. On connaît la provenance du livre. Parce que le code américain, États-Unis, n'a rien à voir avec le code ivoirien. Vous voyez? Ensuite, qui vend ce livre? Où il est fabriqué? Quelles sont les caractéristiques, les composantes? C'est pourquoi maintenant, quand vous allez au supermarché, quand vous voulez acheter un produit, selon votre état de santé, vous devez lire les différentes caractéristiques en termes de pourcentage. Parce que nous sommes dans le marketing RSE à visage humain. Merci. C'est bon? Voilà. Nous évoluons, on va peut-être aller rapidement dans d'accord, les réponses pour qu'on puisse avoir notre set de d'accord. questions. Et pour terminer, nous avons Mademoiselle Beaumaillet-Vige qui disait, bon, enfin, vous avez dit qu'on devrait arrêter de faire des campagnes publicitaires. Pourquoi? Non, je n'ai pas dit ça.
selon le livre, il nous dit d'arrêter le gaspillage, gouffre financier. Donc nous devons nous approprier le concept. Et le concept, il est très simple. Je vous ai donné un cas pratique. Vous n'avez plus besoin de faire une publicité à la télé de plus de 300 mots. Bon, je parle sur... Oui, exactement. C'est voilà. Trop. D'accord. Parce que je sais que je peux me tromper. Hein, à la RTI, lorsque vous faites passer une bande publicitaire, selon le temps, c'est facturé. C'est 30 secondes. 30 secondes, c'est facturé. Si elle vous dit le prix, c'est pas... C'est trop cher. D'accord. Donc, l'auteur dit, en 300 mots, vous pouvez dire tout ce que un livre peut écrire en termes de publicité. Donc, il nous amène à minimiser les coûts, le gaspillage, la cacophonie, aller à l'essentiel, un message clair, simplifié, qui atteint son objectif, qui est le public, le client cible. Donc vous gagnez en argent. Ou vous dites, parce que en entreprise, j'en sais quelque chose en termes de publicité. La publicité prend autour de 5 voire 10% selon le cycle de vie du produit. Si le produit est à la phase de croissance ou de lancement, ça demande beaucoup plus. C'est comme un bébé. Il faut l'aider à grandir. Et si le produit est en fin, il faut aussi l'aider à ne pas mourir. Sinon, elle meurt de sa belle. D'accord? Donc, fort de cela, l'auteur nous appelle à éviter le gaspillage, donc à s'approprier le concept. Et ce concept, il est intéressant parce qu'il y a une application, il y a un site web. Entrez, achetez le livre, il est intéressant. Il va vous permettre de doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires. Voilà, et pour vous aider encore, madame, dans le livre, l'auteur parle du concept de pitch elevator. Simplement délayer tout ce qui est inutile dans les messages et d'aller vraiment à l'essentiel. Et je l'ai dit à l'entame, à la page 18, les gens n'achètent pas le meilleur produit, mais ils achètent ce qu'ils comprennent facilement. C'est un peu ce qu'il voulait dire en disant vous gaspillez de l'argent dans les campagnes publicitaires. Nous avons, nous allons prendre une série de 5 questions. Je rappelle que nous terminons notre livre du mois à 16h30. Et permettez, nous allons prendre la dame. Quelqu'un a le micro? Voilà. Bonsoir, messieurs. Je suis Yann Roche-Esther, entrepreneur, transformatrice de produits vivants. Je voudrais savoir la différence entre la marque du produit, le nom de l'entreprise, et puis qu'est-ce que le branding. Voilà, on va rappeler Madame Roche, s'il vous plaît. Vous allez rappeler votre question, la différence entre la marque du produit. Le nom de l'entreprise. Voilà. Et nous aimeriez savoir qu'est-ce que c'est que le branding. Le branding. Merci beaucoup, Madame Branche. Une autre question, nous avons excusez-moi, il avait levé la main. Voilà, merci. Je suis docteur Andon Nguessan Simon. Je voulais savoir à quelle étape de l'entreprise, on applique la feuille de route storyboard. Est-ce au niveau de l'écriture des plans d'affaires ou à un autre stade? Je vous remercie. C'est moi. Troisième question. Merci bien.
Monsieur Bankole. Ma question, je suis Kimia. Ma question porte sur la Madame protection. Kimia, c'est oui, ça? Oui, Kimia. Kimia, d'accord. Ma question porte sur la protection de la marque. Alors, quelle est la démarche à suivre pour ce qui concerne la protection de la marque? Déjà qu'on parle de marque, voilà. D'accord, merci. La quatrième question. Bonjour, je suis Madame Bokoum. Excusez-moi, pouvons-nous nous taire pour laisser parler Madame Bokoum, annoncez Madame Bokoum. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'avais l'impression d'être un peu dans la théorie. Et donc, dans ce cadre-là, j'aimerais que peut-être le présentateur nous donne un cas pratique où il nous fait passer, par exemple, du début jusqu'à la fin de sa feuille de route, juste un petit cas qui s'insère dans le contexte ivoirien, si possible, pour qu'on puisse un peu... Moi, en tout cas, je n'ai pas bien compris, sauf que je sais que c'est de la théorie. J'ai l'impression que je me trompe sur... Est-ce que vous aimeriez, par exemple, qu'on puisse prendre une entreprise et qu'on essaie de créer un message? Puisque dans le story brand, l'essentiel, c'est la base qui est vraiment le fil conducteur de l'œuvre, le message. C'est cela, Madame Bokoum? C'est très bien. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis Miss Dosso de la Disfatim, étudiante en finance, comptabilité et gestion d'entreprise au groupe des IAE. Alors, j'aimerais savoir si les différentes démarches que vous aviez évoquées tout à l'heure, M. Bankole, ne doivent être faites que par les entreprises florissantes. Sinon, pensez-vous que les entreprises non florissantes sont à la mesure de mener à bien? Excusez-moi, j'ai un souci avec la diction, je ne vous perçois pas bien. C'est pour ça. Donc, allez, posez votre voix, tout va bien. N'ayez pas peur de la caméra. L'Afrique entière est en train de vous voir en ce moment quand ça va être diffusé. Donc, souriez, la vie est belle. Alors, on va reprendre tout doucement. Allons-y. Alors, j'étais disant que j'aimerais savoir si les différentes démarches que M. Bankole a énoncées doivent être faites que par les entreprises florissantes. Doivent être-elles faites seulement que par les entreprises florissantes? Sinon, est-ce qu'ils pensent que les entreprises non florissantes peuvent être à mesure de mener à bien ces différentes démarches? Merci, Mademoiselle Doss. Bien. On va, c'était 5 questions, donc permettez, et puis on va... Ou allez-y, vous avez le micro c'est le pouvoir, je ne vais pas vous l'arracher comme ça. C'est moi. Je voudrais dire merci à M. Bankole pour sa brillante prestation. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Mademoiselle Blétro, Marie-Laure. Mademoiselle Blétro. Marie-Laure. Marie-Laure, d'accord. La question est la suivante. Vous allez vers des clients qui sont réfractaires. Comment s'y prendre? Devant les clients réfractaires, stratégie, n'est-ce pas? Alors, M. Bankole, Rochester, la première intervenante, aimerait savoir la différence entre la marque du produit, le nom de l'entreprise et qu'est-ce que c'est que le branding. J'ai eu à présenter la marque, la définition de la marque. On va faire juste un petit rappel. La marque est une représentation d'un animal, d'une chose, d'une personne. Exemple, Mercedes, c'est une marque déposée. Renault, marque déposée. Alors, on va éviter de faire de la publicité, puisque ça va être diffusé. Voilà. Ah, d'accord. Autant pour moi. Donc, c'est pour qu'elle puisse mieux saisir de façon concrète. Voilà, de façon concrète. Parce que la marque est l'élément distinctif d'une entreprise ou bien d'une activité bien précise. De telle sorte que quand vous voyez cette marque, vous donnez un nom d'entreprise. Quand vous voyez Orange, un identifiant. On n'a pas cité. J'ai dit le. Non, l'émission, je rappelle. Bon, peut-être que là. Excusez-moi. Et je demanderai, là, on va couper au montage. Parce que si vous citez une entreprise,
on peut s'attirer les fautes des autres. D'accord. Autant pour moi. Donc, une marque, c'est une représentation. Et quand nous parlons de branding, c'est du blanc pour du blanc. C'est la même chose en anglais. Brand veut dire la marque. Le nom de l'entreprise ne s'apparente pas à la marque. On parlera même d'un autre concept, le logo. Le logo et la marque peuvent se compléter. Parce qu'il y a des entreprises, logo et la marque sont confondus. Il y en a où c'est dissocié. C'est bon? Voilà. Pour que vous puissiez mieux cerner, c'est pourquoi j'ai pris des cas précisément, autant pour moi. Bon, voilà. Prenons l'ambassade des États-Unis. C'est une bonne publicité. Regardez. Quand vous voyez, je ne sais pas s'il faut appeler ça logo ou la marque, mais du coup, quand vous voyez l'insigne qui est là, vous savez que c'est l'ambassade des États-Unis. C'est ça. D'accord. Le nom de l'entreprise, ambassade des États-Unis, l'insigne vous ramène. Donc, c'est un signe distinctif. D'accord? Et c'est intéressant, votre question, parce que une entreprise peut avoir une, deux, trois, quatre marques. Et une entreprise peut avoir une seule marque. Ça dépend de sa stratégie concurrentielle. C'est clair? Voilà. Très bien. Docteur Randon a posé la question suivante. À quelle étape de l'entreprise le storyboard s'écrit-il? Est-ce au début, au milieu ou à la fin? Vous répondez. À quelle étape de la création de l'entreprise le storyboard, le story brand, pardon, s'écrit-il? La question est intéressante, à plus d'un titre, parce que quand vous lisez le contenu de l'ouvrage, pour que vous puissiez appliquer la feuille de route à tous les niveaux. Que l'entreprise soit en guillemets défaillante, à problème, ou bien que ça soit une entreprise qui est au firmament de sa gloire. D'accord? Mais sachez quelque chose au niveau de l'entreprise. Une entreprise vend un ou des produits. Autant que nous sommes des êtres humains, leurs produits aussi naissent, grandissent et meurent. L'entreprise aussi naît, grandit et meurt. Selon la loi. Quand vous allez créer une entreprise, vous créez une entreprise pour 99 ans. Et l'histoire de l'entreprise montre que sur 100 entreprises créées, 5 années après, il y a 10% qui survivent. Autrement dit, si je veux être vraiment je ne dirais pas pessimiste. Regardez la réalité en face, c'est 5%. C'est clair? Donc, fort de cela, vous pouvez appliquer la feuille de route SB7 en faisant un diagnostic organisationnel. Ça veut dire vous passez au peigne fin. Les produits ou l'entreprise. On prend le cas pratique d'un produit. Vous lancez un produit. Au bout de 5 ans ou 10 ans, vous rendez compte que ce produit ne marche plus. Pourquoi il ne marche pas? En ce moment, vous faites appel à un marketeur qui fait l'audit marketing du produit
au même titre que le médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous dites, docteur, hier nuit, j'ai mal dormi. Et généralement, nous, l'Africain, on dit, non, j'ai le palud. Tu n'as pas le palud. Tu as des symptômes qui s'apparentent. Donc, le spécialiste en marketing prend son cahier et il vous pose un certain nombre de questions. Ensuite, il va à l'opérationnel au sein de l'entreprise pour voir si ce que vous avez dit est conforme avec la réalité. Et au sorti de là, il fait un diagnostic organisationnel et il fait des recommandations. Ces recommandations appliquées boostent le produit. Où il se rend compte que ce produit, comme je l'ai dit, un produit a un cycle de vie. Il y a une phase croissance. D'abord lancement, introduction, croissance, stagnation, déclin. Donc vous devez identifier à quel niveau se trouve votre produit. Si c'est la phase déclin, stratégie, déclin. Si c'est la phase de maturité, autant, parce que là, c'est la vache à lait. En ce moment-là, selon la phase, vous appliquez la feuille de route en tenant compte des mots dont souffre votre produit. Et en ce moment, vous allez dérouler le cas pratique que j'ai fait, personnage, problème, etc. etc. Et là, vous allez redimensionner votre produit. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci beaucoup. Madame Kimia, parlons de protection de la marque, quelles seraient les démarches à suivre? Au niveau de la protection de la marque, la loi dit, lorsque vous créez une marque, tant que ce n'est pas stampillé, au niveau de l'OAPI, le siège se trouve au Cameroun. On a une représentation ici. Ce n'est pas votre propriété. Ça appartient à tout le monde. C'est lorsque vous déclarez que ça devient une marque déposée. Si un concurrent s'amuse à utiliser votre marque, vous pouvez le poursuivre. Mais tant que elle n'est pas déposée, c'est la propriété de tout le monde. Et la démarche, vous allez au WAPI, ils vont vous demander un certain nombre de dossiers que vous allez remplir. Je ne dis pas le montant, oui. Est-ce que c'est décédé? On peut dire le montant. On peut dire le montant. Voilà. Le montant, c'est autour de 200 000. Autour de 200 000. Voilà. Et en ce moment-là, c'est pas. Et en ce moment, c'est votre propriété. Si quelqu'un s'amuse à utiliser votre marque, vous pouvez poursuivre ce dernier. Si c'est une entreprise ou bien un opérateur économique. C'est clair? Merci beaucoup. Madame Bocoum aimerait avoir un cas pratique pour mieux comprendre. Bon, on va les cas pratiques. J'avais prévu ça. Et le cas pratique, c'est vous qui allez le faire. Vous avez plusieurs séquences. Vous notez la première séquence au niveau de la feuille du story brand. C'est d'abord, vous devez faire un brainstorming. Le brainstorming, c'est dit, ce sont les idées, pêle-mêle. Vous concevez votre message publicitaire. Donc, tout ce qui vous vient à la tête, qui s'apparente à votre business, votre activité. Je prends un exemple. La dame qui a posé la question, on peut prendre son cas pratique. Hein. Le nom de son entreprise, qu'est-ce qu'elle fait?
Madame Roche. Oui. Et votre business. Voilà, en fait, je fais la transformation des céréales. Des céréales. Voilà. De plusieurs céréales, 9 céréales bien, bien sélectionnées pour faire un produit pour les nourrissons, les personnes très malades, très anémiées. Et ce produit est testé aujourd'hui à l'hôpital général de Kumasi par les enfants malades du VIH. Maintenant, quelles sont les retombées? Qu'est-ce que ça fait à l'utilisateur? En fait, c'est pour remonter les CD4, booster, donner la santé. Les nourrissons, par exemple, à partir de 6 mois. D'accord. En tout cas, ça les. On prend le micro aussi, c'est très important. Nous sommes allons-y, cas pratique de votre entreprise. Le nom de l'entreprise, c'est quoi? Voilà, je suis. Le nom de votre entreprise. J'ai mis Nutri Familia. Je suis actuellement en brainstorming. Ouais, donc, bon prénom, Nutri entreprise Familia. Nutri Familia, vous écrivez. Nutri Familia. Mission. Quelle est la mission de Nutri Familia? Qu'est-ce qu'elle fait, sa raison d'être? C'est de produire. Oui. De la nourriture. Pour nourrissons et personnes. Donc, voilà, c'est un complément alimentaire. Complément alimentaire. Personnes voilà. Très malades. Et tout, en fait, tout bon, d'accord. Chose. Donc, mission complément alimentaire. Booster la croissance. Donc, l'objectif, c'est accroître les ventes. C'est voilà. Bon? Accroître oui. Vos ventes. Voilà. C'est bon? Faire connaître le produit. Bon, faire connaître promotion produit. D'accord. Donc, ça suppose que l'entreprise est à la phase de lancement. Elle n'est pas agie. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'elle est sur le marché. Maintenant que c'est démarré toute d'accord. La production. D'accord. Donc, promotion de l'entreprise. Faire connaître l'entreprise. C'est bon? On applique la feuille de route SB7. Oui. Nous devons concevoir le message de communication que vous appelez message publicitaire. D'accord? Donc, on conçoit. En deux mots, qu'est-ce que vous allez dire sur votre... Je pourrais dire que... Si on dit de vendre votre produit. Nutri Familia est un complément alimentaire destiné aux nourrissons, personnes très malades ou anémiées pour leur croissance. Ça c'est long déjà. C'est long. Très simple. Corrigez, en deux mots. Corrigez. Parce que c'est important. Qu'est-ce que l'auteur dit? Si vous faites ça, vous rentrez dans la première partie, vous financiez marketing. Parce que vous ne maîtrisez même pas votre sujet. C'est clair. Donc, corriger les clarté dans le message. Si vous voulez intervenir simple. Le micro, s'il vous plaît. Message simple, clair. De telle sorte que vos clients potentiels, en une phrase ou en deux mots, comprennent. C'est pourquoi je parle de brainstorming. Je pourrais l'aider rapidement. Oui, allons-y. Quand on prend Steve Jobs, on sait très bien le rôle qu'il a joué au niveau de Apple. Alors, le premier projet qu'il a conçu, c'était un projet de plusieurs pages qui était dans le New York Times. Personne n'a eu le temps de lire, c'était trop lourd, avec un langage geek. Oui. Mais quand il s'est reformaté, il a changé de paradigme, il a simplement mis « think differently ». Pensez différemment. Apple, pensez différemment. Tout est parti de là. Donc, en 9 pages que je lis, c'est un produit destiné aux aussi, et puis là, dans la virgule qui arrive, et puis 2 mots ou 3 mots, le cerveau ne marche que ce qui est issu, ce qui est énoncé clairement. Donc quand c'est confus, comme on a dit, on revient au gouffre financier, je mets 10 millions sur un livre. Les gens, même si c'est bon, ils n'ont pas besoin de livre. Juste 2-3 mots, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est en cela que se résume notre œuvre, la clarification du message. Votre message doit être clair, transparent. Je peux l'aider? Oui, allons-y. Le micro. C'est un cas pratique. Hein. Nous sommes tous de l'équipe.
Allons-y. Juste, elle pourra me corriger. Consommer Nutrifamilia pour une croissance assurée. Consommer Nutrifamilia pour une santé de fer. Enfin, chose comme ça. Ça commence à venir. Voilà, allons-y, quelqu'un d'autre. Oui. Santé des nourrissons. Non. Pour une santé totale des nourrissons. Non, il faut personnaliser. Il faut sortir des chantiers battus. Je vous aide. Il faut sortir des chantiers battus. Parce que vous vous positionnez par rapport aux concurrents. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez de spécifique, d'innovant, que les autres n'ont pas que vous avez? Allons, brainstorm. Allons-y, Madame Silué. Oui, alors, je peux dire Nutrifamilia, force et sourire. Par exemple, dans la forme, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, dans le fond, il faut trouver quelque chose qui va se coller à son produit et à sa mission. Oui, allons-y. On a quelqu'un d'autre? Nutrition optimale. Non, attendez le micro, je vous en prie. Nous sommes suivis sur YouTube et ça va être diffusé en Afrique. Donc, voilà, allez-y. Nutrifamilia, nutrition optimale. Par exemple. Bon, mais on est encore... N'oubliez pas quelque chose. Optimal, hein. Le client final. Qui vous voulez atteindre? C'est ça? Votre segment de marché. Est-ce que Madame Roche a le micro? Pardon. Je ne peux pas imaginer que ce produit doit impacter, c'est-à-dire le monde entier. Mais déjà, Madame Roche. Madame Roche. Jusqu'à la grande personne, la personne très très mal, même personne mal VIH. Madame Roche. Madame Roche, là, je sors un peu de mon cadre de modérateur. C'est votre émotion qui est en train de parler. L'ambassade des États-Unis vous offre l'Afrique là en ce moment. Ouais. Parce que ça va être diffusé par Business and Cap. Ouais. Mais en plus de cela, cet exercice-là vous aidera à relever le niveau de votre produit. La passion que vous avez, il faut la transmettre dans un message clair. Sinon, l'explicatif est intéressant. Ça va aider tout le monde, on sait. Mais voilà, quelqu'un va vous aider. Merci. Bonsoir à tous. Merci vraiment. Votre nom? Monsieur Bonpoulet, je suis Odilon Sasso. Ok. Je voulais l'aider un peu dans ce sens-là. Allez-y, en disant, Nutrifamilia, c'est soigner autrement les enfants. Il y a les enfants et puis les grandes personnes. Il y a les enfants et les grandes personnes. Mais déjà, soigner autrement, c'est pas mal. Mais c'est déjà une bonne approche. Soigner autrement. Donc, la salle s'anime. Hein. Bravo à les hommes familiales. J'espère qu'ils auront des parts de marché. Là. Quelqu'un, le micro, allez-y, levez-vous et puis vous donnez votre idée. Ok, je suis Miss Abalé. J'aimerais dire Nutrifamilia, la santé des malades. La santé des malades. On ne peut pas rendez-vous avec les idées à essayer. Mais dans votre idée, il faut les enfants et puis les grands malades. Et puis les grands malades. C'est ça, elle a mentionné le VIH aussi. Cancer. Cancer. Oui, on sait que ça augmente. Bon. Le cerveau. Est-ce que le cerveau. Oui, on va rester. Bon, vous voyez l'approche. Vous voyez l'approche. C'est pas évident. Madame Roche, vous avez vu l'approche? Vous avez le brainstorming qu'on a voilà. Fait, la réflexion. Déjà, c'est la démarche. Ensuite, le personnage. Le personnage, les clients, les cibles. Vous avez dit les enfants et les grands malades. C'est ça, non? Donc, le personnage, vous devez écrire. Ensuite, le problème. Est-ce qu'on se comprend? Le problème. Qu'est-ce que vous attendez par problème? La satisfaction. La satisfaction de... ou des besoins par votre produit. Qu'est-ce que ce produit fait pour celui ou celle qui consomme? Améliore la santé. D'accord?
Immunité. Ensuite, le plan. Le plan. La démarche. En termes de consommation, au bout de combien de temps ça améliore? Parce que la cible veut une satisfaction entière et totale, en dépensant moins en peu de temps. C'est ça. Ensuite, le résultat positif en termes d'attente. Ça requiert la santé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'approche innovateur. Vous savez de quoi? La clarté du message. Court, simple, sans furetier. Simple, clarté, pas de cacophonie, pas de bruit. Aller à l'essentiel. Premièrement. Ensuite, le héros, c'est qui? Le héros, c'est le client. C'est votre client. Son problème, le problème interne. Parce que jusqu'ici, tu étais dans l'environnement externe. Interne, lui, en tant qu'acteur. Qu'est-ce qu'il gagne? Les retombées. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est clair? Voilà. Je pense que Mme Bocoum en a répondu à votre question. Peut-être pas, mais c'est pas. Ça parlait sur ma question. Ah, d'accord, mais au moins, je vous dis, vous avez un fil. Non, tout à fait. Sauf ça marche. Je voudrais qu'il donne un exemple. Non, par exemple, ce qu'on essaie de faire ici, si lui pouvait. J'ai pris l'exemple. La feuille de route sur notre thème. Le personnage, les séminaristes. D'accord? Le problème, s'approprier la trame SB7 et l'appliquer dans votre business. C'est concret, c'est concret. Jusqu'à présent. Voilà. Le résultat positif, booster votre rendement, votre chiffre d'affaires par des marchés positionnés. Alors, j'aimerais vraiment nous inciter, parce que pour bien comprendre l'argumentaire de M. Bancoulet, il nous faut tous avoir le livre. Parce que si vous n'avez pas le livre, il va expliquer, là il n'est pas rentré vraiment dans le détail, hein. On est encore à la porte du livre. Donc il nous faut avoir le livre, le mettre, il est écrit très simplement, et l'auteur a expliqué les choses de façon simple. Donc si on l'a, ça va vraiment toutes nous aider dans nos affaires, nos entreprises. On va peut-être progresser. On a un fil conducteur déjà avec Mme Bocoum. Ça a aidé pas mal de personnes, n'est-ce pas? L'exemple qu'on a eu à faire avec un Nutri. Alors, nous avons une question sur YouTube. Nous sommes suivis sur YouTube. Monsieur Kanga Frankie Kwadio demande, pose la question. Alors, il pose la question suivante. Dans le cas où l'on est à ses débuts, et qu'aucun client n'a encore testé le produit. Comment faire à ce niveau pour transmettre les témoignages positifs? Ensuite, est-ce que pour obtenir des témoignages, il faut aller tester le produit gratuitement chez certaines personnes? Merci. Ta question est pertinente. On en parle dans le livre. Des Ivoiriens aiment cadeau. C'est une bonne chose. L'auteur recommande. Oui. Il faut donner des échantillons. Madame. Donner des échantillons. C'est vrai, c'est gratuit. Ça fait mal. Mais il y a un RSI, le retour sur investissement. Parce que quand j'utilise, c'est gratuit. Mais je vois ce que ça me fait.
alors je vais acheter. Je m'engage. Et puis je vais en parler autour de moi. D'accord? Vous pouvez faire même plusieurs échantillons. Ne regardez pas le coût. Mais sur le moyen long terme, vous allez récupérer. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si j'ai répondu en partie. Alors il dit dans le cas, ok, on aurait, vous avez répondu à la question, il faut donner, il faut aller à l'échantillonnage. Et, donc, voilà. Et ensuite, je vais plus loin en entrant dans le contexte du livre. L'auteur dit, au niveau de votre site web, en plus de l'échantillon, faites des vodcasts, des podcasts. Mm-hmm. Les vodcasts, ça veut dire des vidéos. Mm-hmm. En tenant compte, effectivement, de la route, de la fin de route, des vidéos de peut-être 5 minutes, pour pas que ça soit vraiment étiré. 5 minutes, aller à l'essentiel en appliquant la feuille de route avec les 5 éléments dont je viens de parler, personnage, problème, etc. Et même, vous pouvez aller même avec les 7 scénarios. Ça veut dire quoi? Le héros, c'est le client. Il est confronté à un problème. De quel problème il s'agit? Qui va venir l'aider? Le guide, c'est l'entreprise. Vous me suivez? Le guide, c'est l'entreprise qui va effectivement l'aider à résoudre son problème à travers le produit. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes pour terminer notre programme. Deux questions. Miss Dosso, est-ce que les démarches énoncées par notre conférencier sont-elles réservées aux entreprises florissantes? Je pense que la question a été déjà répondue. Et pour terminer, Mademoiselle Blétrot, Marie-Laure, devant les clients réfractaires, que faut-il faire pour les pousser à l'achat? Et ça, c'est intéressant. C'est la raison d'être de la stratégie de l'entreprise. N'oubliez pas qu'en marketing, il y a deux sortes de stratégies. Il y a la stratégie fondamentale que nous appelons le SCP, la segmentation. Dans quel segment je veux vendre mes produits ou mes prestations? À quel cible? À quelle clientèle? Et puis, le positionnement qui fait appel au SB7, communication. Comment je veux que mon produit soit vu, utilisé par le consommateur final? Et puis, dans le même temps, mes concurrents. Vis-à-vis de mes concurrents, quelle est la place, la qualité de mon produit? Ça, c'est la stratégie fondamentale. Tout entrepreneur, tout homme d'affaires ne peut pas se passer de ces trois piliers de la stratégie. Maintenant, la dernière stratégie que vous appelez le mix marketing, c'est la stratégie opérationnelle. Comment je déploie sur le terrain, le prix, le produit d'abord, le prix, mon circuit de distribution pour atteindre mes clients. En ce moment-là, dans le circuit de distribution, on utilise le réseau, qui est un moyen aujourd'hui simple et rapide, moins coûteux pour atteindre mes clients, quel que soit où ils se trouvent. Quand je lance une face, c'est le monde entier. Ce n'est plus une affaire de territoire ou bien de quartier, 13 villes à Bobo. C'est ça qui est intéressant. Donc, je n'ai même plus besoin de local. Chez moi, mon siège se trouve à la maison.
personne n'ira chercher où se trouve le siège. C'est la qualité du produit. Est-ce que c'est clair? Tout la communication. La communication. Votre communication, votre message, simple. 300 mots. Quand vous rentrez sur LinkedIn ou bien Facebook, quand vous dépassez, vous dites, il dit de diminuer. C'est tout. Parce que vous ne pouvez pas atteindre la cible. Aujourd'hui, les clients, ils n'ont pas le temps à perdre. Lis beaucoup, beaucoup. Non. L'essentiel, atteignez le client au cœur de la cible. Et ça, c'est votre approche. Donc, mettez-vous dans la peau du client, comme l'auteur le dit. Si j'étais le client, qu'est-ce que? Il faut toujours se poser cette question. Et puis, croyez-moi, ce n'est pas évident du premier coup. L'auteur l'a dit. Entraînement, entraînement, apprentissage. Et puis, vous allez vous approprier. Quand moi, je dis, je suis expert consultant, c'est 25 ans. Des métiers. J'ai eu des parmures et des bavettes. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis vos 25 ans d'expérience à notre utilité, à notre profit, ici à ce livre du mois de septembre, Story Brand, scénarisez votre marque et faites-vous entendre. Je rappelle que le libraire est dans la salle pour tous ceux qui aimeraient se procurer donc le livre, vous pouvez l'avoir avec lui, il est derrière, il vous attend. Merci en tout cas, monsieur Bangoulet. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois? Vous avez donné, au cours de cette conférence, le goût du marketing, je crois, et ouvert les yeux sur pas mal de petites choses, mais qui sont utiles pour le développement de nos différents produits. Je voudrais également vous rappeler que le mois prochain, nous aurons un autre livre du mois, octobre 2019, et ça sera donc Misbehaving, les découvertes de l'économie comportementale. Comment est-ce que les petites choses de notre quotidien nous empêchent d'atteindre certains objectifs? Je voudrais tous nous encourager à acheter les livres, parce qu'on peut faire les conférences, mais si vous n'avez pas le fil conducteur de l'auteur, ce sera un peu difficile. Merci d'être venu et on se retrouvera donc. N'oubliez pas de votre fiche de notation, Story Brand. Merci Pic de bien vouloir, voilà. Votre fiche de notation, merci de le faire. Et puis si vous êtes dans cette salle, vous avez envie un jour d'être un panéliste, pourquoi pas, sur des thématiques, faites-nous le savoir. Vous serez enregistré et lorsque la demande se fera, lorsqu'on aura le besoin, on vous contactera. Nous sommes toujours très intéressés d'avoir de nouvelles connaissances et d'avoir en tout cas le must de l'intelligentsia en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis, merci et on se retrouvera donc le mois prochain pour un autre livre du mois. Bonsoir. Merci de remettre les fiches de notation de notre document.